Et salut à tous les amis, c'est Mofoui. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter les amis le nouveau skin sur Fortnite qui a fait son petite apparition, pas sur console comme vous le savez, ni sur PC les amis, mais sur Xbox Switch. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait tellement plaisir les amis. Bientôt les 10 000 abonnés, si on peut l'atteindre avant Noël, j'offre 2000 V-Bucks. Donc voilà, donc je compte sur vous les amis. Et n'hésitez surtout pas à rejoindre mon Discord qui sera directement en description. Là où regardez, je mets toutes les petites missions à V-Bucks qu'il y a tous les jours. Vous êtes juste allé là, bam, vous avez trop la flemme de chercher. Vous regardez là par exemple, mission à V-Bucks, clap, clap, hop, vous allez sur votre jeu et tout ça c'est fait. Avec pas mal de trucs, les nouvelles vidéos, tout ça, tout ça. Après des petites sessions pour parler tous ensemble, un peu sur la politique, tout ça, rien, de tout, de rien. Après vous avez le petit coin VIP et tout ça, tout ça. Et vous avez pas mal de choses sur le Discord, donc merci à tous ceux qui rejoindront. Donc là les amis, comme je vous ai dit, on a le nouveau skin qu'on peut débloquer directement en achetant la liste, c'est plutôt la Switch, alors soit, ah non c'est que la Switch, donc la nouvelle Switch qui est disponible sur toutes les plateformes. Vous avez juste à faire ça les potos, vous marquez nouvelle Switch, donc là, vous allez là. Et là, vous avez directement eh ben, la nouvelle Switch et qui est à 300€. Donc moi, d'ailleurs, je l'ai acheté. Tout le but de la vidéo, de vous le présenter, bien sûr. Et là, franchement, elle est vraiment super belle. Donc d'ailleurs, si vous voulez une petite vidéo dans pas très longtemps avec, je sais pas, un petit jeu, par exemple, un petit bowling et tout ça, dites-moi en commentaire si ça vous ferait plaisir. Ça changerait un petit peu de Fortnite. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Donc le skin il est juste ici, on va directement aller voir dans la petite boutique. Donc là je vais prendre ma petite manette. Donc regardez, il est là, le petit skin. Donc je vous ai pas dit de conneries. Franchement il est quand même assez stylé. Mais le truc c'est qui est encore mieux, c'est que là on est en version bleue et jaune. Comme vous pouvez le voir directement en bas, on a la petite banane, la petite tomate. On a aussi tous les skins d'Halloween dessus. On a le corbeau. On a la pomme. Franchement, il y a vraiment pas mal de choses. Le petit chevalier noir. Il y a pas mal de skins. Et monsieur Tomate. D'ailleurs, presque tous les skins, je les ai. Et là, on a la petite tête de mort sur le côté. Franchement, le skin, vraiment 10 sur 10. C'est un skin vraiment super beau. Et je pense que la plupart des gens ne l'auront pas forcément. Donc, ça sera un skin assez rare, assez limité. Donc, tous ceux qui peuvent l'acheter, achetez-le. Bon, moi, je ne l'ai pas acheté pour la Switch. J'ai juste acheté pour le skin parce que je le trouvais super beau. Et on a aussi une deuxième variété, regardez, rose comme ça. Je le trouve un peu moins fun que le bleu et le jaune. Donc je mettrai une petite note de 8 sur 10. Dites-moi en commentaire combien vous lui mettrez à ce skin-là aussi, ce style. Et le troisième style que je trouve vraiment super cool et un peu plus fun. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du dernier style du skin. Moi, franchement, celui-là, je mettrai aussi du 10 sur 10. J'adore, regardez, dedans, ça bouge. Un genre de pixel bleu. Et franchement je trouve ça vraiment super cool et beau. Donc voilà, dites moi en commentaire ce que vous en pensez sur les trois styles. Mettez votre petite note en description les amis. Merci à tous ceux qui participeront. Et avec, on n'avait pas que ça. On avait directement aussi un petit sac à dos. Donc le sac à dos, je pense qu'il est quelque part par là. Donc là ça doit être assez rare. Bon après le sac à dos en lui même n'est pas non plus, c'est pas non plus le sac à dos de l'année. Le truc c'est que je ne sais plus c'est lequel. Il faut vraiment chercher. J'en ai quand même pas mal. Je crois que c'est, non c'était pas celui-là. Ah non, c'était un genre de Game Boy de Switch. Donc là il est pas là. On va le trouver. Il est pas là. Pas là. Je suis un peu trouvé. Non, pas ici. C'est un genre de style comme ça, mais ce n'est pas celui-là. Ok. Franchement, je sais pas où il est. Dites-moi en commentaire si je l'ai passé ou pas. Mais après, je pense que c'est pas non plus ici, parce que là, c'est quand même des sacs à dos assez vieux, la plupart. Je suis sûr que je suis passé devant. Mais vraiment passé devant. C'est un genre de sac à dos comme ça. Dites-moi en commentaire. D'ailleurs il est beau celui-là, j'ai même pas vu. D'ailleurs il est pas mal celui-là, j'aime bien. Donc voilà, et avec les amis, on avait directement eh ben, 2000 V-Bucks. Et ça c'est quand même assez cool. Donc ils sont rajoutés dans mon petit panier. Par contre le souci c'est que comme sur Switch, on peut pas voir les V-Bucks du PC. Donc en gros sur PC,
j'en ai 3900 et sur la Switch j'en ai 2000 passés. Donc voilà, en tout ça fait un total de 6000 V-Bucks. Donc c'est pour ça que je vous offre 2000 V-Bucks aux 10 000 abonnés, en espérant que vous avez participé très nombreux et que vous allez rejoindre mon Discord. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Ciao ciao.